Nous allons ici maintenant accueillir les représentants de l'école des télécommunications pour une information rapidement, s'ils sont là. Donc, vous disposez d'une minute, 60 secondes pour passer l'information. Merci à vous de nous donner la parole pour juste passer l'information. Il s'agit de notre activité que nous organisons, les télécoms, voilà, en collaboration avec les autres écoles. Cette activité se nomme le FIT, le Forum Inter-École des Télécoms et Technologies de l'audiovisuel. Il est le père fondateur, le concepteur, l'initiateur de ce projet, de ce concours intellectuel qui nous réunit chaque jour depuis quelques années déjà. Nous allons l'accueillir ici et maintenant pour son mot de bienvenue. Nous recevons M. le Président concepteur. Bonsoir, cher bande de Adama Sanogo, chers étudiants, chers du jury, nous allons vous remercier de votre présence ici cet après-midi pour la 7e manche du 8COM et vous encore réitérer le remerciement du comité d'organisation que je dirige et vous dire de passer une très belle soirée en notre compagnie. Et également, comme l'idée, c'est d'être fair play de pouvoir donner le meilleur de nous afin d'être les vainqueurs de ce après-midi. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent, s'il vous plaît, écouter les règlements du 8COM réalisés. Passage, si oui. Les équipes ont 20 secondes de réflexion, hormis la rubrique Mastermind, où ils disposent de 30 secondes. Article 38, la récupération. Elle permet au compétiteur de répondre à la question de son adversaire si et seulement si celui-ci s'est trompé. La récupération se fait uniquement dans le mastermind. ISTC 6.12, Adama Sanogo, question du professeur 4.5. ISTC Télécom 5.5. Adama Sanogo a eu au total 30 points lorsque l'école des télécoms et technologies de l'audiovisuel, vainqueur de cette manche, a eu 38 points. Mesdames et Messieurs, c'est ici que nous allons confrontation. Nous avons été très heureux. Merci d'être venus et que Dieu nous bénisse.